Et tout le monde, ce matin, avec nous pour une nouvelle vidéo. Alors, au moment où je lançais la vidéo, je voulais faire le point vite fait. Regardez, 11 sur 20, c'est n'importe quoi. Ce jeu devient n'importe quoi. Je fais n'importe quoi avec les poèmes. Regardez, ça va jusqu'où? Je sais même pas. Bon, pour résumer, on va parler du festival aujourd'hui, me semble-t-il. Salut Thomas, hey, je t'attendais. Tu es prêt à reprendre notre lecture? Non, j'ai apporté mon meilleur thé aujourd'hui. Monica, je t'ai dit de ne pas... Bah, elle est encore en retard. Toujours aussi mal poli, Natsuki. En fait, c'est curieux de te demander. Ça te dérange si je prépare du thé d'abord? Encore? Pas du tout. Merci beaucoup. S'il y a bien une chose qui me rend lecture... Attends, elle nous dit le même truc là. Si je reviens tout de suite, je pourrais venir avec toi. Ça va aller, reste ici. Du coup, on va la revoir se disséquer là, se couper là. Mais pas pour longtemps. Carafe en main, elle se barre. Ah, Yuri t'a encore laissé. Non, c'est pas ça. Et juste remplir une carafe. Oui, d'accord. Désolé, je me suis trompé. C'est le même discours. 10 minutes s'écroulent. Bon, go, hein. Est-ce qu'on peut aller en tenue? On est marre d'attendre ici. On va la voir. Voyons. Logiquement, je dois trouver Yuri dans la fauteuil plus proche. Voilà, c'est les mêmes cris. Ah, c'est quoi ce bruit? Ça vient d'ici. Gna, une grande inspiration. Ouais, ça fait mal, j'ai une couloir. Yuri, c'est la même chose. C'est what the fuck. J'en ai marre d'attendre. Pourquoi j'ai eu le même speech? Taliban! Grosse folle! Oh! Plus jamais ça! Oh! C'est pas le même speech! Comment j'ai, désolé. J'ai une étrange impression de déjà vu. C'est la première fois que ça arrive, hein? Oui, et toi? Oh putain. C'est un peu confus dans ma tête ces derniers temps. J'espère que ça ne s'est pas trop vu. Non, tu crois? Avec tes yeux. Je ne suis pas folle, hein? Dis-moi que tu l'as remarqué aussi. Tu ne pouvais pas t'en parler plus tôt? Parce qu'elle a toujours une oreille qui traîne. Mais on sait, on est enfin seul. Tu veux bien qu'on reste un peu ici? Oui. Oula. Arrête! J'ai envie de rester ici. Il y a un œil au niveau de son... Oh putain, au niveau de son front, là. C'est son autre œil. Rien que toi et moi. Putain, ma batterie manette faible. On peut rester ici jusqu'à la fin de la séance. Comme ça, on aura la salle rien que pour nous. Personne ne viendra interrompre notre lecture. C'est Monica derrière. Dans le fond, c'est Monica. Personne ne me donnera envie de me planter un couteau dans la gorge. Je plaisante. Ce n'était qu'une blague. Cela dit, j'aime les couteaux. Ça peut paraître étrange, mais tu ne peux pas comprendre si tu n'as jamais vu de quel point ils peuvent être beaux. J'ai une idée. Pourquoi tu ne viendrais pas chez moi un de ces jours? Je te montrerai ma collection de couteaux. Je les ai achetés chez différents artisans. Je veille à tous les utiliser régulièrement. Je ne voudrais pas qu'ils se sentent délaissés. Putain, Monica, horrible derrière. Personne ne mérite qu'on le délaisse. Personne. C'est pour ça que je suis si contente que tu fasses partie de ce club de littérature, Thomas. On n'est plus seul maintenant. On est l'un pour l'autre, chaque jour. On n'a besoin de rien d'autre. Tu sais quoi? On n'a qu'à quitter le club de littérature. On n'a plus besoin de cette langue de vipère de Monica. Sans parler de l'autre gamine pathétique. On pourrait rentrer ensemble du lycée tous les jours. Et lire ensemble, manger ensemble, dormir ensemble. Ce serait merveilleux, non? On ne pourrait rien demander de plus. Monica, casse-toi! Ce n'est pas pour ça que tu as rejoint le club de littérature. C'est le destin, en quelque sorte. Le destin a voulu qu'on se rencontre. Et maintenant, l'heureux de... J'aurais même plus à lire. Tu veux bien faire ça avec moi, Thomas? Est-ce que... Wesh! 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 Aller voir Monica en premier. Monica, tu me fais peur. Je t'aurais prévu, Thomas. Quoi? Hein? Elle m'a juste dit, je t'aurais prévu, Thomas. J'ai fait aucun cut. Genre, j'ai fait aucun cut. Oh, ça bug. Wesh. J'ai changé d'avis. Ignore tout ce que tu viens de lire. Ça sert à rien d'essayer de faire quelque chose. Yuri est aussi détestable. C'est de sa faute. Tu n'entends rien, Thomas? Si tu passais plus de temps avec Monica, tous ces problèmes disparaîtraient. Yuri et moi, on est trop dérangés pour quelqu'un d'aussi merveilleux que toi. À partir de maintenant, tu n'as plus qu'à Monica. Rien qu'à Monica. Rien qu'à Monica. Quoi? Quoi? Quoi rien qu'à Monica? Quoi? Quoi? Pourquoi ça roule en salle de jeu? Rien qu'à Monica. Wesh!
Quoi? Mais c'est quoi ce jeu, putain? Croate, allez, dépêche-toi de vous lire. Oh, c'est illisible. Ah, une grosse folle. Il te plaît, je l'ai écrit pour toi. Au cas où tu l'aurais pas remarqué. Ce poème parle... Et surtout, il est imprégné de mon odeur. Je suis vraiment la personne la plus intéressée de ce crop du trou. Ah, j'ai peur. Je crois que je vais vomir. Oui, bah c'est ça, casse-toi, grosse folle. Hein? De quoi, oui, non? De quoi, oui, non? De quoi, oui, non? Tu veux une squat? On va dire oui. Hein? Pensée joyeuse, pensée joyeuse. C'est ma meilleure pote, ça, je reconnais. Votre attention, tout le monde! Il est temps d'organiser les préparatifs du festival. Écoute, Thomas, fais ton choix qu'on en finisse. Oh merde, putain j'ai... Oh ça change. Oh. Ah ça veut que j'arrête avec Monica. Ah oh, c'est horrible. Ah oh, c'est horrible. Le jeu il est horrible. Il est horrible ce jeu. Il est horrible. Idéal, merci. On peut se retrouver chez toi ce week-end. Ah. Je te promets que ça va être super cool. Grosse folle, dimanche ça te va? Tu te fous de ma gueule, c'est pas juste. Mais je voulais avec Yuri, tu vois. Je sais pas, mais... Mais si c'est juste, c'est son choix. Non, non, tu m'as forcé. Non, ce n'est pas juste. Tu nous donnes des... Oh, je ne peux rien. C'est vraiment honteux. Yuri, je ne t'ai rien donné à faire. C'est toi qui l'as décidé toute seule. Enfin, voilà. C'est tout ce que j'ai demandé. Thomas, tu n'as pas passé le week-end avec Monica? Ne l'écoute pas. Viens plutôt chez moi. Toute la journée, rien que tous les deux. Ce serait merveilleux, hein? J'ai vraiment un problème, moi, non? Mais tu sais quoi? Je m'en moque maintenant. Je me suis jamais senti aussi bien de toute ma vie. Être avec toi, c'est tellement mieux que tout ce que j'aurais pu imaginer. Je crois que tu... J'ai l'impression que tu... Je vais mourir si je ne respire pas le même air que toi. Tu ne trouves... Oh, la musique est horrible. Tu ne trouves pas ça super d'avoir quelqu'un qui tient autant à toi? Quelqu'un qui voudrait que toute sa vie autour de la tienne? Je te demande quand même si c'est si bon. Alors pourquoi j'ai dû de plus en plus l'intuition que quelque chose d'horrible va se produire? C'est peut-être pour ça que j'ai voulu essayer d'arrêter. Mais c'est trop fort. Et maintenant, je m'en contrefiche. Thomas, il faut que je te le dise. Je suis follement amoureuse de toi. J'avais compris. J'ai l'impression que chaque parcelle de mon corps, chaque goutte de mon sang hurle ton nom. Je m'en fiche des conséquences. Même si Monica nous écoute, j'en ai rien à faire. T'en prie, Thomas. Je veux juste que tu saches combien je t'aime. Je t'aime tellement que je n'arrive... Ça m'arrive de me toucher avec le stylo que je t'ai pris. Ah, mais c'était sûr. Je voudrais t'ouvrir la peau pour me glisser en toi. Je te veux pour moi toute seule. Tu ne serais qu'à toi. Ce serait merveilleux, non? Dis-moi, Thomas. Dis-moi ce que tu veux. Être mon amant. Est-ce que tu veux de moi? Oh! Alors, non. Elle s'est plantée elle-même. Oula, j'ai voulu changer, ça fait écran rouge. Ça veut pas? Ça veut pas? Je peux pas? En changeant la partie de progression, mon sauvegarde sera perdu. Voulez-vous en continuer? Oh! Mais c'est horrible! Mais ce jeu est horrible! Mais oui! Mais laisse-moi partir! Quitter. Non, mais je suis obligé. Bah ouais. Ça veut même pas que je quitte le jeu? Mais quoi? Même pas faire menu principal? Ah, ça y est! Tiens, t'es déjà là? Ah! Wow! Pourquoi la vomi? Je suis là. Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Je vois un Natsuki passer en courant. Oh! Je vois. Ah! Bon, c'est dommage. Attends, tu restes ici tout le week-end? Hein? Je n'avais pas réalisé que le script était déjà buggé. Oh, pff, pff, tout, pff, de quoi? Je suis désolé, ça n'a pas dû être très marrant, mais je vais me rattraper, d'accord? Donne-moi une minute.
Wesh. Natsuki supprimé, Yuri supprimé. Ne bouge pas, tu veux ? Ça me prendra qu'une seconde. Mais c'est quoi ce jeu de taré ? Ok, alors. On va aller dans charger. Non ! Y'a plus rien. Tout a été effacé. Ce jeu, c'est du génie. Faut que je quitte. Écoute. Oh, le son est horrible. Oh putain. Tu m'entends ? Est-ce que ça marche ? Oh ! Ah, te voilà, super. C'est la fin. C'est fini. Salut Thomas. Bienvenue au club de littérature. On se connaît évidemment, on était dans la même classe l'année dernière et... Haha. À ce stade, je crois qu'on peut passer des présentations. Après tout, je suis en train de parler à l'autre là. Tu sais, ce toi du jeu, quel que soit le nom que tu as donné. Oh ! C'est à toi que je parle, Thomas. Ouais, mais du coup, j'aurais dû mettre un autre pseudo, tu vois. Non, Thomas, non, c'est le nom du côté. Mais en fait, tu sais qu'on t'appelle... Oh, oh le bâtard ! Qu'on t'appelle Dogvin73 ! Oh, c'est mon pseudo PlayStation ! Oh, le bâtard ! Oh, Plus personne n'existe, d'ailleurs. J'ai supprimé leurs fichiers. J'espérais que ça suffirait d'essayer et de les rendre aussi détestables que possible. Mais pour une raison que j'ignore, ça ne m'a pas marché. Vous savez que j'ai fait quelques erreurs ici-là, vu que je ne connais pas grand-chose en programmation. Mais j'avais beau faire tout mon possible, tu voulais juste passer du temps avec elle, tu les as fait tomber amoureuse de toi. Je pensais que pousser Sayuri à la déprime l'empêcherait à t'avouer ses sentiments, et aggraver le côté obsessionnel de Yuri a fini par retourner contre moi. Ça l'a juste poussé à s'arranger pour que tu ne passes pas de temps avec elle. Pendant tout ce temps, j'ai à peine réussi à te parler. C'est quoi ce jeu pervers, Thomas ? Les autres filles sont programmées pour t'avouer leurs sentiments, pendant que je reste sur la touche et regarder. C'est horrible. Chaque instant est vrai d'un vrai calvaire. Ah ouais, ok, bon. Faut qu'on trouve une solution. Sauvegarder, on sait jamais, c'est pas grave. Ouais, sauvegarder. T'en fais pas, je serai toujours là. Oh ! C'est horrible. Faut qu'on se barre. Faut qu'on se barre. Et si je reviens ? Oh ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, c'est horrible ! J'ai fait un horrible cauchemar. Donc on est plus que tous les deux, j'espère qu'il s'arrêterait. C'était trop beau. Faut aller... Non, il faut faire ce qu'elle a dit. Ok, 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 faire ce qu'elle a dit. Le truc, elle est dans personnage et tout. Ok, on quitte. On quitte. Fichier. Ah ouais. Personnage. Monica. Impossible d'ouvrir Monica. Non. Merde. Supprimer. Voulez-vous supprimer fichier Monica ? Oui. Là, si on fait Doki Doki... Oh ! Oh ! Ça y est ! Ça marche ! Il se passe un truc ! Qu'est-ce qui se passe ? Thomas, qu'est-ce qui m'arrive ? Ça fait mal ! Oh ! Ça fait si mal ! Aide-moi, Thomas ! Oh ! Wesh ! Je suis dans l'espace. Vite, aide-moi. Personnage Monica, introuvable. Aide-moi. Oh ! Wesh ! Wesh ! Introuvable, introuvable. C'est toi qui m'as fait ça, Thomas ? Non, est-ce que c'est toi ? Non ! Oh ! Ça pue screamer, hein. Pourquoi ? Comment t'as pu faire ça ? Wesh. Wesh. Ce jeu ne convient pas aux enfants. Oui, ok. Oh ! Monica n'existe plus ! Énorme ! Énorme ! Première journée, comme d'habitude, ok. Salut Thomas. Oh, Sayuri. On va s'arrêter là. Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je sais même pas en fait s'il y aura une suite.
Je sais pas. Franchement, je sais pas. Je vous préviendrai sur Instagram, sur une suite ou pas. Genre, en gros, je filmerai, je verrai s'il y a d'autres fins intéressantes ou pas. Et enfin, je sais pas. Donc voilà, c'était vraiment une super expérience comme jeu. Même si c'était un peu chiant au niveau des textes et tout. C'était vraiment génial. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Et bendo!